L'ermitage de la Petite Abbaye se situe en Champagne, à Maison en Champagne, dans le département de la Marne. Cette maison à l'origine se trouvait dans l'Aube, près de Troyes, où je suis passée pour mes fonctions de déléguée de maison paysanne. C'est une maison donc, qui se trouvait en ruine et dont les habitants voulaient se débarrasser. Cette maison, on peut la dater du 16-17e siècle. Ce qui m'intéressait dans cette maison, c'est qu'elle était entièrement en chêne, en ossature bois. Quand je suis passée devant cette maison, il y a eu un petit flash, quoi. Sur un coup de cœur, nous avons fait le projet de la démonter complètement et de la transporter jusqu'ici. C'est Véronique Avia qui est venue me chercher pour ce type de travaux, parce que bon, c'est pas courant. Bon, on ne remontait qu'une fois dans sa vie maintenant de maison en pan de bois. On a démonté morceau de bois par morceau de bois. On a numéroté tous ces bouts de bois-là à l'aide de petites plaques en zinc frappées de numéros. Palettisé l'ensemble, chargé sur le camion. On l'a redéposé ici, bâché, bien protégé, parce que le vieux bois reste du vieux bois. Il a fallu regarder un peu l'état des bois, faire du nettoyage, voir ce qu'étaient des fois des pièces à conserver ou pas. À la suite de quoi, moi j'ai fait un poteau principal de ferme, que j'ai retaillé dans un chêne en grume, équarri à la hache, de façon traditionnelle, etc. parce que c'est vraiment ce qui me passionne. J'ai retaillé des modillons, donc c'est les petites pièces qui viennent s'assembler dans la sablière pour faire le débord de toit. C'est une façon traditionnelle de faire en Champagne. Quand j'ai vu les fermes qui se remontaient, enfin pour moi c'était Notre-Dame, mon Notre-Dame à moi. Ça a été un moment magique. Cette maison avait complètement changé par rapport à ce qu'elle était quand je l'avais vue toute tassée sur elle-même. La rénovation c'est une passion parce que c'est des chantiers toujours un peu compliqués. Là il faut quand même un petit peu de métier et une certaine sensibilité aux vieux matériaux. Oui. Une autre particularité de cette maison, c'est l'alliance entre le bois et la terre. Elle était entièrement faite en torchis, donc ça montre bien que toute cette économie rurale était basée sur des produits locaux. Ce projet pour Maison Paysanne est très intéressant puisque c'est la sauvegarde d'un patrimoine rural. Or, pour nous, le patrimoine rural ancien, c'est le témoignage d'abord de ce qui a été construit par le passé. C'est la façon dont on savait construire à ce moment-là et la technique de récupération des matériaux. Nous, on a été très heureux que ce projet aboutisse, en particulier parce que c'est du bâti local, du colombage, qui correspond à la spécificité de la région. Et donc, c'était important de réintroduire dans la région où il y a de moins en moins de colombage un élément qui en faisait partie. Le fait que le projet de l'Ermitage ait été promu dans ce concours, c'est très important pour nous, charpentiers ou autres corps de métier et gens qui sont passionnés de patrimoine. Ça nous dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien, tout ce temps passé à essayer de redécouvrir les techniques, à essayer de préserver le patrimoine. Et c'est une sorte de validation et c'est important pour l'avenir, pour les jeunes qui vont arriver derrière, qui auront envie d'avoir encore des témoins du passé. Quand on pratique, quand on fait vivre le patrimoine, et ben on préserve les techniques. Et ça, c'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, c'est ce qui est le plus important quelque part.